construit. A été construit pendant la période de l'entre-deux-guerres pour un journal, l'Écho du Nord, qui existait depuis le 19e siècle. Le brasseur, M. Bigot, va l'interpeller. Ah, il est beau ton galet. Oui, il est bleu. Peut-être rappeler des choses à certains, je ne sais pas, ça y est, moi j'ai pointé, donc je peux commencer, tac. La collection de métiers à tisser va nous permettre de voyager aussi dans le temps, et notamment de faire une évolution dans les techniques, etc. Et là, on commence. Bon, là, je ne cherchais pas, j'y arrive pas. C'est pas possible. Pas que moi, hein. On n'y arrive pas, et surtout vous imaginez le temps qu'il me faudrait pour arriver de l'autre côté. Ouais, de fil qui vous permet d'avoir de la place entre les fils de chaîne. Là, je prends ma fusette. Je passe la trame au travers, je la récupère de l'autre côté, je lâche, le fil étant enfermé, et ensuite je tasse avec le peigne. Parce que si je tasse pas, ça va se défaire. Et pour qu'il y ait le croisement dont on parlait, ben maintenant vous partez dans l'autre sens, et ainsi de suite. C'est pas trop compliqué, mais il y a un gros problème. Il faut avancer la navette. Donc plutôt que de faire ça, je vais aller une fois, comme ça, ça va l'envoyer directement. De l'autre côté, je lâche, je tasse et je continue. Et ainsi de suite. Autre, hein, les flandres, etc. C'est une autre technique de base ou de hautisme. Thank you.
Elle l'emmène de l'autre côté, là il est coupé, c'est pour ça que vous avez des franges, des lisières sur le côté, et la lance revient à vide, sans rien, pour prendre un autre fil, et ainsi de suite. Comme ça, au milieu, elles vont ouvrir le bec, entre guillemets, pour s'échanger le fil. Hop. Voilà. Là, ça l'a lâché. Hein. Voilà, un petit bisou, c'est ça. On récupère, on l'emmène de l'autre côté. L'autre, elle va prendre un autre fil, et ainsi de suite. Oui, c'est le même fil, mais emmené par deux. Oui, exactement. C'est pas grave, on n'aura pas mieux.